Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer un montant de 500 000 francs CFA à la maison en élevant juste 10 poules et 3 cons. Pour commencer, vous aurez besoin d'une somme minimale de 33 000 francs CFA pour acheter 13 sujets. Dans les 13 sujets, il vous faudra avoir 10 poules et 3 cons. Si vous disposez alors de ce capital, chers internautes, comment allez-vous donc procéder pour générer une somme de 500 000 francs CFA en Afrique au village juste en élevant ces 10 poules et 3 cons? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, il est bien possible de partir de quelques poules et cons pour générer une somme de 500 000 francs CFA sur une période d'exactement un an en Afrique. Concernant l'alimentation de nos poules, chers internautes, nous allons minimiser les dépenses en permettant aux volailles de se nourrir elles-mêmes sur le sol. Les graines, les insectes, les asticots, les herbes et bien d'autres sont d'excellentes sources alimentaires de protéines et minéraux indispensables à la croissance des poules. Mais si vous ne disposez pas d'espace libre, vous pourrez les enfermer. Dans ce contexte, les poules auront besoin des produits complémentaires, des vitamines et des minéraux pour leur survie. Tentative de production efficace pour avoir 500 000 francs CFA. En général, une poule à la maison chez nous pond environ 10 à 15 œufs en 2 semaines. Après la ponte, elle mettra 3 semaines pour les couver. Après l'éclosion, elle prendra 2 mois pour nourrir ses poussins. Alors, tout calcul fait, on a environ 3 mois pour avoir quelques poussins. Pour dire, chaque poule dans notre ferme pourra avoir 4 épisodes de couvaison sur l'année. Maintenant, considérons un taux d'éclosion de 70%. Alors, chaque poule pourra nous produire entre 7 et 8 poussins après 3 mois. Sur ces 8 poussins, elle pourra élever jusqu'à terme au moins 6 poussins. Donc chaque 3 mois, chacune de nos poules pourra nous donner 6 poussins. Nos 10 poules nous donneront 60 poussins. Sur l'année, nous aurons 240 poussins en considérant 4 épisodes de couvaison par an. Or, chaque poule pourra être vendue à 2500 francs CFA sur le marché local. Pour nos 240 poules produites, nous aurons 240 fois 2500 francs CFA, ce qui nous donne 600 000 francs CFA comme revenu annuel de nos poules. Pour pouvoir réussir, chers internautes, vous devez veiller à l'apport en protéines pour que vos poules grandissent en pleine forme, avec un développement optimal. Ceci vous permettra d'atteindre un taux de ponte optimal et un meilleur rendement en termes de fertilité des œufs. Chers jeunes, l'Afrique c'est pour nous. Nous devons tous agir pour son développement.